L'écriture a une force et les hommes ont un peu domestiqué cette force pour pouvoir servir des intérêts particuliers. Mais je peux vous dire, ce qu'on écrit, c'est pas toujours ce qu'on pense. Ce qu'on voit sur les journaux par moment, c'est le contraire de la face des gens. Il y en a qui se permettent d'écrire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ils peuvent faire un petit peu plus. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe vraiment en Guadeloupe. Je pense que le média aurait dû aller au cœur des problèmes, aller voir les gens chez eux. C'est plutôt négatif parce que le papier a bon dos et on fait dire au papier ce qu'on ne veut pas dire. Et au travers d'écrits qui peuvent être considérés comme des écrits sérieux, c'est-à-dire des livres venant d'auteurs qu'on connaît sur la place publique, par moments, ce qu'on y découvre, ça fait froid dans le dos. Bon, je pense qu'on est beaucoup. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors bon, c'est différence de génération, hein, forcément. Et je pense que les jeunes, ils vivent avec les réseaux sociaux. Et je pense que moi particulièrement, j'ai des enfants qui sont constamment sur les réseaux sociaux. Monsieur, il faut changer l'homme dans sa façon de penser de tous les jours, dans sa façon de gérer le monde actuellement. Si je pose une même question pour vous retourner la question, pensez-vous que le monde est bien géré? Moi, je dis non. Demandez-le leurs problèmes. Parce qu'il y a des gens qui entendent parler de plein de problèmes et ils ne savent pas. Par exemple, le problème de l'eau, le problème de ceci, le problème de cela. Si ils vont directement chez les gens, les gens pourront savoir parce que les gens entendent. Il y a des gens qui sont un petit peu moins ou moins. Oui. Mais les gens auraient pu savoir exactement ce qui se passe en voyant les médias venir chez eux. S'ils avaient les médias qui venaient chez eux pour les informer, leur demander, comme ça on aurait pu avoir un melting pot de réponses pour pouvoir avancer. Sans arrière-pensée, parce que tout le monde le sent et ne le dit pas toujours. Il faut avoir le courage de ses pensées et l'écriture sur le papier, ça devrait être ça. J'aime bien la télé, j'aime bien le sport, j'aime bien les reportages, mais j'aime bien lire aussi. J'aime bien lire, j'achète mon France Entier tous les jours. Je pense que les jeunes sont imprégnés de réseaux sociaux. Je suis pas trop branché, je suis pas trop branché parce que moi je suis pas un adepte d'Internet, de tout comme ça. Mais malheureusement avec le boulot que je fais là, je serai obligé de me mettre. C'est un pouvoir, monsieur. C'est un pouvoir, l'écriture. L'écriture a une force et les hommes ont un peu domestiqué cette force pour pouvoir servir des intérêts particuliers.